Ce matin, on a fait un petit changement de programme. Vous savez, ce qui est important, c'est les funérailles, c'est l'organisation funéraire. Comme vous, ce matin, sur une personne, parce qu'on a mis 11h de la prière. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que papa va reposer ici, vous allez prendre votre route, vous allez repartir. Non, on va retourner au lieu de funérailles. Mais tant que vous devez faire, ce que vous avez pensé faire, il faut le faire. C'est important. C'est ça l'Afrique. C'est comme ça qu'on soutient nos frères et nos soeurs. Il ne faut pas dire comme on a déposé le corps ici, c'est fini, on s'en va là-bas. Là, ce que je pense, ça n'est pas bon. Donc je voulais répéter ça. Parce que là-bas, tout le monde n'est pas dans la famille. Il n'y a pas de problème. Mais ici, tout le monde est réuni. Voilà. C'est pour soutenir la famille, pour soutenir les enfants. C'est important. C'est ce qu'on appelle la charité, c'est ce qu'on appelle les frères, c'est ce qu'on appelle la paix. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà, c'est important. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, en ce lieu, plusieurs reposent. Aujourd'hui, ton fils, notre papa, notre grand-père, notre époux, va reposer ici en attendant la résurrection. Nous te demandons, Seigneur, que dès maintenant, aujourd'hui, par cette Eucharistie, tu effaces tous ses péchés et tous ceux qui sont fâchés avec lui, qu'ils se réconcilient. Au nom de sa foi, je bénis encore le cercueil. Que le fils, papa, Anatole, repose en paix. Est-ce que quoi là? Ils vont mettre ça sur le côté d'ici et puis ils vont sortir. Chambre salon. Bien à ce côté-là.
une sonne. Voilà.2 mètres 80, 2 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 mètres 80,